Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vous pouvez voir, on se retrouve pour à nouveau continuer de regarder ensemble la saison 3 de Sword Art Online. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de l'anime, après qu'il y ait eu un trou entre l'épisode 12 et l'épisode aujourd'hui même, hein, comme dit, à cause de la nouvelle année bien entendu, et bien on va pouvoir enfin retourner à nouveau dans cet univers, dans cet underworld, et peut-être en apprendre encore plus sur ce qui se passe vraiment, même si dans le dernier épisode, on avait déjà appris beaucoup de choses sur cet underworld, hein, sur la personne qui contrôle ce monde, les personnes à l'extérieur qui ont un lien sûrement avec ceci, enfin bref, et donc c'est parti, on va tout simplement continuer à nouveau de regarder ensemble. Eh bien, ce qui va se passer, comme d'habitude, l'anime est en haut à droite en tout petit. Pour éviter les droits d'auteur, les sous-titres sont en dessous, le son est pas trop fort pour éviter les droits d'auteur. C'est parti. Soixante-dix ans après, pendant qu'elle régnait encore. C'est une blague. Putain, mais c'est vraiment un monstre, hein, cette meuf, hein. Ouais, il se fait tout seul là. C'est abusé, comme vous avez vu, comme une intelligence artificielle peut devenir intelligente et peut faire tout et n'importe quoi dans un monde, quoi. Et donc là, la fameuse meuf, ben c'est tout simplement la cardinale, quoi. Ok. Ok. Alors attendez, juste vérifier que vous voyez toujours bien les sous-titres parce que du coup là j'ai dû baisser pour faire passer le l'opening. Hop, c'est bon, vous voyez bien les sous-titres. Voilà, excusez-moi, mais vaut mieux ça que après à la fin je me rends compte que vous voyez rien. Oh. Ok. Cardinal contre la putain d'administrateur. Hein. Bah, c'est bon, le système call.
Putain. Une vraie sorcière. Ah. Elle s'est barrée. Ok, donc de l'autre côté des massifs lointains, elle peut pas utiliser de commande, l'administrateur. Hein. Ça, c'est une information importante à savoir. Et la grande bibliothèque. Voilà, et du coup, on sait ce qui s'est passé entre les deux, quoi. Putain, et voilà. C'est le fameux qui a tué le dragon de glace. Putain. Synthetic One. Et voilà, ouais. Elle les utilise comme pion, quoi, comme on s'y attendait. Putain. Voilà. Non. Oh mon Dieu! Ah, Charlotte, si ça c'est pas un signe. Ah ouais. C'est ça alors. C'est cette petite araignée bizarre là, ou ce pou. Ok. Ah oui. Donc même avec des fleurs, c'était ça alors. Bah pourquoi ils font rien, ouais. Exactement, c'est ce que je me dis aussi. Ah. C'est pour ça qu'il laisse l'autre faire la merde, quoi. Mais c'est con, hein. C'est une blague, pourquoi il ferait ça? Oh.
Putain, c'est à cause d'elle s'ils sont morts les dragons là. Le monde, quoi qu'il arrive, il est dans la merde quoi. Parce que soit c'est les ténèbres et donc les monstres qui vont défoncer tout le monde, soit c'est elle avec ses chevaliers qui va continuer à régner et défoncer tout le monde. Quoi qu'il arrive, c'est la merde. Bah ouais, en gros, c'est ça. Bah, par contre, j'avoue que Rast, c'est en fait, en gros, c'est eux les vrais enculés, on va dire. Parce qu'ils font rien pour Kinella, et donc pour l'administrateur, ils font rien pour l'arrêter. Et en plus, ils prévoient de faire ça avec les monstres, quoi. Donc c'est eux vraiment les gros enfoirés en vrai. Kit. Oh, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Voilà, exactement. C'est très intéressant ce qu'elle vient de dire là, parce que du coup, on a une possibilité de détruire ce monde et de sauver des gens. Comme dit, il peut tout finir, sortir de ce monde et tout, mais garder les Fluctlight de EGO, d'Alice, de Tizé, l'Oni, de 10 personnes qui veut, quoi. Ouais, c'est compliqué, quoi. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce désir personnel à part sa revanche sur Kinella? Il y a une différence de taille. Oh, Kirito, faut pas ton mec. Hein. Oh mon. Qu'est-ce que. D'accord. Oh. Ah. Ça fait penser un peu à Yui, hein, quand même, hein. Ah. En tout cas, je me demande toujours qu'est-ce qui se passerait si Kirito meurt, hein, dans l'Underworld. Non, ah, j'ai cru qu'elle a disparu. Je me demanderais ce qui se passait en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe s'il meurt dans l'Underworld? Est-ce que sa Fluctlight du coup serait totalement grillée comme ça a été le cas avec l'autre là qu'ils ont buté? On sait pas. Bah c'est Kirito, hein, je veux dire.
Ah. Tisé, Elodie, Géo, Alice. La cousine d'Alice, là, enfin la. Non, la petite sœur d'Alice. Ah ouais. Si elle lui dit ça, c'est peut-être pas pour rien. Hein. Ah, enfin, on voit EGO du coup. Parce que ça va pas être simple, hein. Et du coup, c'est Alice, c'est la 30e qui a été totalement manipulée. Tirti, hein. Ah, ça, c'est ça qu'on veut, pour savoir comment les libérer. Hein. Ouais. Ouais, ok. Comme ça a été le cas avec l'autre, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est compliqué. Après, ils vont sûrement trouver une solution. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Après, si elle t'affronte. Oh! Des petites dagues. Ça, c'est bien ça. Après, il faut la planter, hein. Parce que vu la longueur de la lame, il faut vraiment y aller au corps à corps, et ça va être compliqué, je pense, hein. Et les peignoirs.
Au sommet, non? Ouais. Ok. Oh. Et du coup là, elle va, voilà, elle va leur booster, elle va leur donner un petit boost pour leurs épées. Ou en tout cas, c'est ce qui me semble, hein. Ouais. Voilà, la fameuse épée. Ah, rose bluff. Ok, mais non, ils vont être beaucoup plus puissants. Et je pense que prochain épisode... Oh. Ok, donc prochain épisode, ça va de nouveau repartir à fond dedans, je pense. Ouais, ça va être compliqué, hein. Bah oui. Allez! Ouais, ça va de nouveau partir, les gens. Prochain épisode. Oh, prochain épisode, le chevalier écarlate, si j'ai bien compris, j'ai bien vu. Si vraiment c'est ça, le chevalier écarlate, il me semble que c'est Alice, non? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, bah, l'épisode fini. Donc, une fois de plus, comme vous avez pu le voir, ça a été un épisode avec beaucoup, beaucoup d'informations en plus, clairement des informations pour bien remplir ce qu'on savait déjà. Donc effectivement, pas vraiment de réaction, pas beaucoup de réactions, hein, vous savez comment c'est, hein. Si on a des épisodes qui sont intéressants, surtout pour ça, comme dit, pour avoir des infos sur l'anime, mais niveau réaction, bah, du coup, il y en a un peu moins. Mais là, je pense que prochain épisode, ça va de nouveau partir. Là, cette fois-ci, ils sont repartis affronter les chevaliers d'intégrité. Ils connaissent beaucoup mieux maintenant comment faire pour les sauver. Ils vont être beaucoup plus forts, ils vont avoir du meilleur équipement. Enfin bref, là clairement, ils sont partis Kirito et Geo pour reprendre le contrôle des choses. Enfin du moins j'espère, hein, ça va pas être simple comme dit. Mais voilà, c'est sympa, on en sait un peu plus sur comment ça se passe. Qu'est-ce que Rats, donc les mecs qui sont à l'extérieur et qui gèrent tout, qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire avec ce monde, ses habitants? Voilà, par rapport à la Dark Territory et compagnie. Enfin bref, quoi, on a appris beaucoup plus et donc c'est toujours intéressant pour mieux connaître le monde qu'on ne connaissait pas du tout avant et que maintenant on connaît déjà beaucoup mieux, quoi. Enfin voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré qu'il n'y aura pas eu beaucoup de réactions. Ça reste toujours sympathique à regarder ensemble et sinon, mais moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et sinon à dimanche prochain pour
la suite de Sword Art Online saison 3. Allez, très bonne journée, très bonne soirée, ciao! この手